Et voilà pour ce reportage, cet extrait du spectacle de l'Égypte. Nos invités sont toujours ici avec moi. Gamal, j'aimerais savoir, et je compte sur vous Adèle pour vous traduire, comment s'est constitué le groupe là-bas en Égypte ? Comment vous avez rencontré le danseur ? C'est en 1996. Il faisait donc à ce moment-là, il produisait des pièces de théâtre avec une l'équipe de l'Warsha. Et dans une des pièces, ils ont utilisé le bâton. Dans une des pièces de théâtre, ils ont utilisé le bâton. Comme une partie du. Et c'est à partir de là, ils ont eu l'idée d'établir, de créer un centre spécialisé pour le tartib. À partir de cette pièce de théâtre. Hassan Gritli, qui est le producteur de l'Warsha, avec Najib Bouali, et le défunt Medhat Fawzi, duquel qui porte aujourd'hui le nom du centre porte son nom. بدأنا في تكوين المركز استعنا الأول بكراكسين فنون شعبية كانوا أصدقائنا طبعا في الفرقة إبراهيم برديسي محمد محفوظ كان معنا عوف اللي هم طبعا كانوا بيتدربوا معنا في الفنون الشعبية ابتدينا نكون
Donc ils ont commencé à constituer cette troupe-là, cette équipe-là, à partir d'artistes qui appartenaient en fait au centre de troupes populaires, notamment Ibrahim Berdissi qui est présent ici parmi nous, et Rouf et d'autres qui sont pas présents à Ghana, mais nous avons Ibrahim Berdissi qui est ici, qui appartenait à ces troupes populaires locales. Et donc ils ont recruté parmi ces troupes-là. Et Gamal, c'est la première fois que vous venez en France ? C'est la 7e ou 8e fois. Comment vous vous sentez ici à Ghana en Auvergne pour représenter en plus cette tradition ? Ils étaient déjà venus en 1998 à l'Institut du monde arabe pour présenter l'art du tartib. Et cette fois-ci, c'est différent. Ici, c'est différent. Parce qu'il y a une présence, il y a une adhésion, on sent une adhésion. Après qu'on ait passé cette étape de le positionner au plus haut niveau, au niveau mondial, au niveau arts martiaux, donc, il semble qu'il y ait un intérêt sur ce sujet. Et cette présence ici est très différente de celle de 98 où on n'en était pas là, quoi. On n'était pas à ce niveau-là. Voilà. Pour terminer, vous avez rencontré beaucoup de groupes d'autres pays ici sur ce festival. Oui, beaucoup. Il a rencontré beaucoup. Et surtout les deux avec qui il a travaillé pour faire la présentation tout à l'heure. Un petit jeu dont on parlera tout à l'heure. Parce que figurez-vous, on a organisé un petit jeu comme chaque soir. Et oui, il sera musical ce jeu. Ça sera tout de suite après un reportage sur nos amis russes qui ont un petit extrait du panorama. C'est un 21h avec les Russes et c'est sur ghanaworld.tv. À tout de suite.